pas l'évangile, ce n'est pas l'église de Jésus. Amen. Okay, I can read also in English. Vous avez dit Apocalypse chapitre. Vous avez déjà dit à lire. Amen. Merci, amen. And when I saw him, I fell at his feet as dead, but he laid his right hand on me, saying to me, do not be afraid. I am the first and the last. I am he who lives and was dead. And behold, I am alive forevermore. Amen. Amen, amen. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant. I'm the first. Des siècles. Et je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Amen. I'm the first and the last, and now I'm alive. And I'm carrying the keys of the stay of death. Ça, c'est Jésus qui réaffirme à l'apôtre Jean que j'étais mort et me voici ressuscité. Is Jesus Christ confirming that he passed away, he was dead, and now he became alive. Nous sommes en train de parler sur la preuve de sa résurrection. We are talking about the evidence of his resurrection. Mais comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? How can you explain this? Jésus-Christ est en train de prouver à l'apôtre Jean que je suis ressuscité. Jesus Christ busy proving to apostle John that I'm resurrected. Et Jean est en train de voir une autre personne glorieuse. And la personne que lui connaissait depuis longtemps. And John was seeing another person very glorious, more than the one he knew before. Parce que Jean connaissait Jésus. Amen. Because John knew Jesus. Amen. Il dormait sur sa poitrine. Oh, he could even sleep on his chest. Il était le disciple le plus aimé de Jésus. He was the loved disciple among Jesus' disciples. Mais là, la Bible dit au verset 17, quand je l'ai vu, j'ai tombé par terre. On verse 17, the Bible says, when I saw him, I fell down. Il avait la lumière. He was having the light. Ses cheveux étaient comme de l'or. Oh, his hair was like linen. Ses pieds étaient comme de poli. Hein? Il dit comme des raisins polis. His feet was like raisins. Alléluia. Amen. Il brillait. He was brighting, giving light. Il était dans la gloire. He was shining in glory. Et c'est celui-là qui a dit à Jean. Is that one who spoke to John? J'étais mort. I was dead. Mais voici ressuscité. Here I am resurrected. Non. C'est lui qui était mort. The one pas comme ça. Oh, the one was died, always dead, but not like you. Avant, mais j'ai pensé que nous sommes dans la révélation tabernacle. But I thought we are in the revelation tabernacle. Frère Branham, chaque nom a son influence. Oh, Frère Branham says, each name has its influence. Je ne veux pas que vous soyez en révélation tabernacle et vous n'aimez pas la révélation. Oh, you are in the revelation tabernacle, but you don't like revelation. Les églises ont écrit, oh, je fais des miracles et tabernacle. Other churches in the world. Mais là, aucun miracle. You go there. Ils ne croient même pas au miracle. No miracle. They don't believe in me to miracle. Ça devient un nom blasphématoire. It becomes just a name like that. Hallelujah. Les gens doivent avoir son influence. Bienvenue en révélation tabernacle. L'église de Jésus n'est pas basée sur la compréhension humaine. Oh, the church of Christ is not based on human understanding. Tout celui qui est passé dans le banc de l'école peut lire. Because each and every person who went to school can read. Mais la révélation. But the revelation. Jésus a dit à Pierre. Jesus said to Peter. Ni la chair. Not even the flesh. Ni le sang. Even the blood. Qui te l'ont révélé? Vous revenez, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé. But it's my fine la révélation, c'est Dieu qui révèle. Revelation is God who reveals. Et nous allons encore voir. We're going to see again. Le jour où Jésus est mort. The day that Jesus passed away. La première personne à voir Jésus résister, c'était une femme. The first person to see Jesus resurrected was a woman, Mary Magdala. En réalité. Jésus n'a pas fait vraiment 3 jours de 24 heures. In reality, Jesus did not make 3 days and 24 hours. Parce qu'il est mort vendredi soir. Because he passed away Friday evening. Il est ressuscité dimanche matin. And he rose up Sunday in the morning. Mais donc chez les Juifs, on compte la journée pendant 6 heures. Si ça passe déjà 6 heures, c'est un autre jour. Jewish people, the way they're counting their days, is 6 hours. After 6 hours is another day. Et on a compté les 6 heures là 3 fois, c'est ce qui fait les 3 jours. And they calculated these 6 hours 3 times,
This what made 3 days. Mais en réalité, il n'a pas fait vraiment les 3 jours de 24 heures. Pourquoi? But for sure, he did not make 3 days and 24 hours. Parce qu'il y avait une prophétie qui disait, because there were prophecies which he was saying, dans les psaumes, hein, yeah, que je ne permettrai pas que mon sang voie la corruption. Oh, I won't allow my blood to see corruption. Oh, la corruption commence le troisième jour. The corruption starts at the 3rd day of 24 hours. C'est pourquoi quand Jésus était venu dans les tombes de Lazare le 4e jour, on a dit à Jésus, il pue déjà, il sent déjà, il est en train de sentir, parce que depuis hier, la corruption a déjà commencé. Amen. That's why when Jesus came on the tomb of Lazarus, it was the 4th day. They said he's thinking, he's ready already. Dieu n'a pas voulu qu'il voie la corruption. But God himself did not want him to see corruption. Alléluia. Amen. Je vais déclarer au nom de Jésus. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit qui est en vous. By the power of the Holy Spirit. Dieu ne permettra pas. Jesus will not allow. Que ton malheur voie la corruption. Dieu ne permettra pas. God will not allow. Que ta fille voie la corruption. Dieu ne permettra pas. Que tu commences à donner mauvaise odeur. Dieu ne permettra pas. Why? L'esprit, l'esprit qui a resté Jésus d'entre les morts. Who rose up Jesus from the dead? En vous, he's joining you. Il n'a pas permis que Jésus voie la corruption. Il ne permettra pas que tu voies la corruption. Vous savez la corruption, on a l'ingala les acopola. You know corruption in Lingala, we call it back home copola. Rotten, something rotten. Ça commence à donner des odeurs. Which means it starts giving bad smell. Un problème qu'on ne peut plus changer. A problem that cannot change. Un problème que tout le monde commence à éviter. A situation that everybody knows. Ça dépasse. I know it becomes now enough. Dieu dit dans les psaumes. God says it's so. Je ne permettrai pas. I will not allow. Je ne permettrai pas. I will not allow. Oui, ça peut commencer. Yes, it can start. Oui, les attaques peuvent commencer. Yes, attack. Oui, les rejets peuvent commencer. Mais Dieu ne permettra pas. Que la chose est Dieu. Dieu ne permettra pas. God not allow. Ça reste comme ça. Et si on pose la question, pourquoi? If you ask the question, why? Parce que l'esprit. Because the three are resting Jésus dans le monde. Which was the people are walking behind you. Et le Père ne peut pas les permettre. Un amen de la résurrection. Quand tu dis amen, les choses mortes est en train de prendre la vie. Il est en train de prendre la vie. Merci Seigneur. Glory to God. Glory to God. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et pendant ce temps-là, dans peu de temps, c'est Marie de Magdala qui va voir Jésus. In that time, is Mary of Magdala who saw Jesus. Et souvenez-vous qui était Marie de Magdala. And remember who was Mary of Magdala. Nous avons deux personnages que Jésus aimait. Hein? We have two people that Jesus loved a lot. John et Marie de Magdala. And Mary of Magdala. Parce que Marie de Magdala était la femme qui était trop près de Jésus. Elle est préparée pour Jésus. Quand Marie a dit, mais Marie, toi tu es toujours là avec Jésus. Au lieu de venir ici à la cuisine, Jésus a dit non, elle a choisi le bon côté. Amen. Because Mary of Magdala is the one. She was close to Jesus. She was cooking for him. She was doing everything for him. Another Mary said, why you are just close to Jesus Christ? Why can't you come to Jesus? He said, he has chosen a good son. Tel que Jésus avait chassé 7 démons. As Jesus chased away 7 demons. Elle connaissait très bien Jésus. Elle connaissait très bien Jésus. Oh, she knew very well Jesus. Elle connaissait vraiment qui Jésus. She knew what Jesus was. Amen. Mais après un jour et demi. After one day and half. C'est qui nous dépasse ça. Donc Jésus est mort vendredi. What you don't understand is that. Le dimanche matin, Marie voit Jésus. Elle dit, papa jardinier, si c'est toi qui a pris le corps de mon Seigneur. Remets mon corps. Remets le corps de mon Seigneur. And Mary saw and said, oh, you, Father, who is watering the flowers, if you are the one who took the body of my Lord. C'est ce que la Bible dit. This is what the Bible says. Quand Marie a vu Jésus, when Mary elle était en train de pleurer dans la tombe. She was crying on the tomb. Jésus lui a dit, femme. Jesus said, woman, qu'est-ce que cherches-tu ici? What are you looking for here? Elle regarde Jésus. She looked at Jesus. Elle dit, she said, jardinier, you garden people. Si c'est toi, if it is you, qui a pris le corps de mon Seigneur? Who took the body of my Lord? Remets cela. Bring it back. Quelle métamorphose.
Quel changement, quelle transformation! On ne se pose des questions. Elle voyait une autre personne où il voyait Jésus qu'il préparait pour lui. She was seeing another person. Oh, it's the same Jesus. C'est pour vous prouver. Is to prove you that. Quittons les illusions dénominationnelles. Denominational illusions. Jésus quand il ressuscite. Jesus, when he rose up, il ressuscite dans la gloire. He rose up in the glory. Oui. Yes. La résurrection de Jésus. The resurrection of Jesus. Il ne ressuscite pas dans une forme de. Il n'avait ni forme. Il n'avait pas. Personne n'était en train de. Il ne tirait l'attention de personne. Ésaïe 55. Vous comprenez? Ésaïe 53. Il n'avait ni forme, ni beauté, ni éclat pour attirer notre attention, c'est ça. Ésaïe 53. Jésus ne résiste pas dans la forme d'Ésaïe 53. Jesus did not rose up in that form of Isaiah 53. Jesus did not have a form. This and that. No, it's not like that. No, il ressuscite dans la forme glorieuse. He rose up in glorious form. Glorious. In glorious form. Alors pour le reconnaître, not to acknowledge him, vous devez quitter la forme physique. You have to move physical form et entrer dans sa forme spirituelle. And to enter in his spiritual form. Troisième exemple. The third example. Jésus-Christ est ressuscité de mort. Jesus Christ rose up from the dead. Il vient, c'est dans Jean 20. He comes in John. Il trouve les disciples en train de pêcher. He found disciples busy sinning. Il les appelle. Fishing, busy fishing. Petits enfants. He called them small children. Qu'est-ce que vous faites là? What are you doing there? Il y avait Pierre, il y avait tous les disciples. Et n'oubliez pas, Pierre était plus âgé que Jésus. There was Peter. Don't forget that Peter was older than Jesus. Jésus all of them were there. Était un jeune de 33 ans. Jesus was a young boy of 33 years. Mais Jésus se tient là à la mer. Il dit, petits enfants, qu'est-ce que vous faites là? But Jesus stood up there on the sea and said, et you little boy, what are you doing? La personne dit, oh, toi un jeune comme ça, tu nous avais fait ça. Et tu dis, oui, nous sommes en train de pécher. La Bible dit, ils répondirent à Jésus sans connaître que c'était Jésus. Il nous dit, nous sommes en train de pécher et nous n'avons rien pris. Amen. You know elders, when they call them new small boys, they started, this small boy is calling us small. But okay, we are busy here fishing, but we did not get anything. They did not know that it was Jesus. Et Jésus les dit, and Jesus spoke to them. Jetez les filets à droite. Oh, just throw the net on the right hand side. Après la résurrection. After the resurrection. Ils ont jeté les filets. They throw the net. Et ils ont attrapé les poissons. They catch the fish. Un disciple a dit à Pierre. Amen. And another disciple talked to Jesus. C'est le maître. He's the master. Oh, le maître. He's the master. Et Pierre qui était en train de pêcher nu. And Peter was fishing naked. Il a plongé dans l'eau. And he threw himself in water. Ce qui a fait qu'il puisse reconnaître que c'était Jésus. What makes him to recognize that it was Jesus? Ce n'était pas la forme. It was not his form. C'était les ailes. It was the word. Amen. Amen. It was the word. The same with Mary of Magdala. Il dit à Jésus. She spoke to Jesus. Si c'est toi qui as pris le corps de mon Seigneur. If it's you who took the body. Remets le corps. Oh my Lord, bring it back. Jésus lui regarde. Jesus look at her. Il dit pas que c'est moi Jésus. I'm the one Jesus. Tu as oublié Marie. You forget non, me Jésus n'a pas fait ça. Jesus don't do that. Regardez. He look at her. Tu t'appelles Marie de Magdala. Your name is Mary of Magdala. Tu viens de telle ville. Oh, you are coming from such a town. Tu es venu ici. You came from parce que tu as tel problème. Because you have problem. Marie de Magdala a crié. Mary of Magdala cried. Rabuni. She said Rabuni. Rabba. Rabbi. Que Marie puisse reconnaître que c'est Jésus. What makes Mary of Magdala to recognize that it was Jesus? C'était le signe du Messie. It was the signs of Messiah. Si nous voulons parler de la preuve de la résurrection, if we want to talk about the evidence of resurrection, nous n'avons pas le temps de voir une personne avec de longs cheveux barbus pour savoir que c'est lui Jésus. Non, monsieur. No, we don't have to see someone with long beard or long hair to know that it's Jesus. No. Tout imitateur peut faire ça. Each and every person can impersonate. Nous n'avons pas besoin de voir un Libanais avec la robe pour dire ah, j'ai vu Jésus. Non, c'est pas ça. No, we don't have to see someone wearing a dress from Liban. Oh, Jésus est ressuscité. If Jesus is resurrected, nous allons le connaître. We know him par ses œuvres. Through his work. Amen. Oui.
Pourquoi? Parce que Jésus est celui qui change de forme. Because Jesus is the one who is changing form. Frère Branham utilise le mot amorph. Brother Branham used the word amorph. Qui veut dire passer d'un autre corps à un autre corps. Which means passing from a body to another body. C'est comme ça que Dieu a marché dans le fil du temps. Il passe d'un corps à un autre corps. Aujourd'hui, il peut être agneau, demain, il est le lion. Et demain, après demain, il devient colombe, après demain, il est aigle. Il change de forme. He always changes forms. This is how Jesus works. He changes in a little time. Today can be the lamb, tomorrow is a lion, tomorrow is a dove. This is how God works. Pendant la journée, il est l'agneau de gloire. During the day, the Lamb of Glory. Pendant la nuit, il est la colonne de feu. Oh, in the night, the pure fire. Oui. Dieu est celui qui change de forme, mais jamais sa nature. Yes. God is the one with changing forms, but never his nature. Peu importe la forme qu'il peut prendre. No matter the form God can take. Mais sa nature ne change pas. But his nature will never change. Hallelujah. Amen. Qu'il soit court aujourd'hui. He can be short today. Qu'il soit élancé demain. Tomorrow a tall man. Si il discernait hier. If he was discerning yesterday. Il va discerner aujourd'hui. He has to discern today. Si quand il avait la forme de lion, il guérissait. If he was having the form of lion, quand il aura la forme de l'agneau, il continuera à guérir. You will keep on healing. Ne pensez pas que quand Jésus change de forme, don't think that when Jesus is changing, ça veut dire qu'il change de nature. It becomes like he changes nature. Il est toujours Dieu. He is God. Il a de longues cheveux. He may have long hair. Il a la forme d'un homme en calvitie. He may have a shawl. Il a la forme d'un homme en robe. He may have body dress. Il porte la cravate aujourd'hui. He may wear tie. Il est toujours le même Dieu. He is the same God. Il ne change pas. He never changed. Il est ressuscité. He is active. Et pour le reconnaître, how to know him? C'est par ses œuvres. By his way. Aujourd'hui, le monde, la religion crie la résurrection de Jésus. Today, religion are crying the resurrection of Jesus. La Pâque, ils fêtent la Pâque. Amen. Mais où est les preuves qu'il est ressuscité aujourd'hui? Ils sont ces preuves-là. We need the proof. Where is the proof that he's resurrected? Qu'il est ressuscité? Which proof does that he's resurrected? Ou soit nous sommes en train de s'emballer à quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Or we are just involved in something that you don't understand. C'est pourquoi aujourd'hui il y a trop des athées, trop des scientifiques qui vont vous dire non, ces choses-là, c'est des mensonges. La Bible, c'est un mensonge pour mentir des Africains. That's why I see many people religious, they say the Bible is a lie just for lying Africans. This is that they are talking too much for nothing. Alléluia. Ok, nous devons avoir de preuves. We must have the evidence. Alors, dans ce qui concerne les preuves pour les juristes, ils savent que nous avons des témoins et nous avons deux sortes de témoins, témoins oculaires et témoins auriculaires. Concerning judges and barristers, to have the evidence, they acknowledge witness. Witness to have two witnesses. The witness who is there when something happened and the one who is outside. Les témoins oculaires, c'est celui qui était là, qui a vu, qui peut témoigner. Avec certitude que j'ai vu ce qui s'était passé. The ocular witness is a witness that lived something, that saw something when it was happened. Mais le témoin auriculaire, c'est celui qu'on a rencontré après l'histoire. But the outside. Par les témoins oculaires. Amen. But the outside witness is someone just they talk through, they tell him the story for what happened, by the one who saw the true story. Il peut vous témoigner, dit moi j'ai parlé avec la personne qui était là. Ah, he can tell you. I spoke to the person. Mais lui-même n'était pas là. But himself was not there. Mais Jésus-Christ dit dans Actes, il dit que voilà, attendez à Jérusalem, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Galilée, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. But Jesus Christ said to them, stay in Jerusalem, you will be my witness. I will send the Holy Spirit. You will be my witness until the end of the world. Donc en réalité, les vrais témoins oculaires, ce sont ceux qui étaient là le jour de la Pentecôte. Amen. In reality, the ocular witness is those witnesses who were there the day of Pentecost. Et Jésus-Christ ne veut pas des témoins auriculaires. Jésus veut des témoins oculaires. And Jesus Christ does not like the witness who hear from outside. No, he wants
The one who lifts the weights. Et les témoins, les extrémités de la terre, c'est l'Afrique du Sud. Hein? L'Afrique du Sud fait partie des extrémités de la terre. Let's say the end of the world, like here, Johannesburg, South Africa, is one of those countries. Ah, je peux dire que Jésus a dit, vous serez mes témoins jusqu'en Afrique du Sud, parce qu'Afrique du Sud, c'est l'extrémité de la terre. Après Afrique du Sud, il n'y a pas un autre pays. En fait. Donc, c'est l'océan. C'est l'extrémité de la terre. Okay, I can say also in other words, like South Africa here, after South Africa, there's no other country. There's no ocean. It's like d'un disciple de Jésus qui est venu ici en Afrique du Sud pour nous témoigner. Can you tell me the name of the disciple of Jesus who came here in South Africa to testify? If you know, one can tell me. Il n'y en a pas. No one. Parce que Jésus a dit, vous serez mes témoins. Because Jesus said, you will be my witness. Ce qui fait de le témoin oculaire. What makes the witness who lived or was on the place? C'est l'expérience de la Pentecôte. Amen. It's the experience of Pentecôte. Et cette expérience là, and that experience, ne se partage pas, ne fait pas des gens des témoins auriculaires. Amen. That not do outside. Si vous voulez être témoin de Jésus, if you want to be a witness of Jesus, vous devez aussi faire les mêmes expériences. You must do the same thing. Que des disciples ont fait à la Pentecôte. That is the disciples did in Pentecôte. Amen. Vous serez mes témoins, ça ne veut pas dire que vous qui avez marché avec moi à Galilée, on a mangé avec. Non. Vous qui attendrez jusqu'à ce que l'Esprit Amen. Descende sur vous, c'est vous là qui êtes mes témoins. Amen. You will be my witness. It's not those people who eat at me with me and walk with me. No. It's those people that said, you will waiting for me until I will send that Holy Spirit will come down upon you. Amen. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de ministères témoins auriculaires. And today, we have a lot of ministries of witness outside. Ils témoignent de l'expérience de son pasteur. Amen. They just testify testimony which is not j'étais avec Pasteur Baruti. I was with Pasteur Baruti. Que Dieu a fait avec Pasteur Baruti. I saw what God was doing. Et moi aussi, je n'ai pas prêché. Non. Jésus ne fait pas de témoins auriculaires. You also are going to preach. No. God does not do like that. Jésus fait des témoins auculaires. God likes witness. Et toi aussi, tu y as vécu. You also, you know. Est-ce que tu as aussi expérimenté cela? Did you experience that? C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 15, il dit, après avoir été ressuscité des morts, il est apparu à ses disciples, il m'est aussi apparu. That's why Paul says in Corinthians, after Jesus passed away, he appeared and appeared also to me. Il dit, moi qui n'étais pas là. I was not there. Mais il m'est aussi à Paris. But he appeared to me also. C'est pourquoi Jésus a dit. That's what Jesus said. En peu de temps. In few times. En peu de temps. In few times. Le monde ne me verra plus. The world will not see me again. Les incrédules ne me verront plus. I believe we will not see me. Mais vous me verrez. But you will see me. Vous me verrez. You will see me. Pourquoi? Parce que chacun de vous. One of you. Doit être témoin auquilaire. Be a witness inside. Jésus n'est pas Mandela. Oh, Jesus Christ. Jésus n'est pas comme Mandela. Oh, Jesus is not like Mandela. Jésus n'est pas comme Lumumba. Jesus is not like Lumumba. On peut parler de notre, avec des générations. We can talk about them, generation by generation. Chez nos enfants, comme nous, peut-être qu'on n'a pas vécu autant de Lumumba, on nous a seulement raconté l'histoire. And us, we do not live the time of Lumumba. They just told us the story. Mais Jésus ne veut pas qu'on raconte son histoire. But Jesus, God of life, asked us to tell you the story. Nous ne venons pas à l'église pour apprendre l'histoire de Jésus. We don't come to church to listen to the story of Jesus. Nous venons pour expérimenter le même Jésus que les disciples étaient en train d'expérimenter. Amen. We come to church in order to experience the same Jesus that the disciples experienced. Maintenant, ce qui bloque l'intelligence de l'homme. Now, what is blocking the intelligence of human beings? Parce qu'il veut voir la forme. Because you want to see the form. Parce que je ne vois pas un Libanais. Because I can't see an American. Parce que je ne vois pas un homme blanc. Because I can't see a white person. Parce que je ne vois pas un homme avec la robe. Because I can't see a man with a dress. Est-ce que réellement moi, really, am I a witness inside? Tu es témoin. You are a witness. Alléluia. Amen. Parce que après la résurrection, because after the resurrection, il a changé de forme. He changed the form. Il est une lumière. He's a light. Il est une puissance. He's a power. Il est l'esprit. He's a spirit. Et il habite en vous. And he's dwelling in you.
ourselves. Nous pouvons les prouver. We can prove it. Nous pouvons les prouver. We can prove it. Que réellement, really, il est ressuscité. He is resurrected. Ouais, Lumumba a donné l'indépendance au Congo. Lumumba gave independence in Congo. Et il est parti. And he's gone. En Suisse là-bas, il y a eu Arnold qui s'est sacrifié. In Swiss, Arnold sacrificed himself. Mais il est parti. He's no more. He's gone. Ces grands pays, arc-en-ciel, nous avons ces grands légendes, Nelson Mandela. This big country, rainbow. We've got the big legend, Nelson Mandela. His God is no more. Mais Christ, but Christ, nous a donné l'indépendance. Granted us the independence. Je ne partirai pas. I will not go. Je reste avec vous. I will give you. Pour veiller sur l'héritage. To watch on you, on anything. Amen. Nous recevons l'héritage. We receive the heritage. Toujours au départ de celui qui était propriétaire. Oh, only to the claim of the owner. Mais lui, il nous donne l'héritage. But the owner is getting the heritage. Il reste aussi là. He is also there. Pour veiller. To watch out. Ah, yeah. Amen. Papa Koufi. Father passes away and left witness. You know uncles, especially the back home. There's no way that the father can come to life and defend his children. Hallelujah. Amen. Combien des enfants sont chassés aujourd'hui? How many children are chased away? Rejetés parce que papa n'est plus là. They are rejected because the father is no more. Mais il nous a dit, but he said to us, je ne vous laisserai pas orphelin. I don't leave you orphan. Orphelin, ça veut dire, je ne peux pas vous laisser seul. I can't leave you lonely alone. Ce qui va se passer, what will happen? Le monde ne va plus me voir. The world is not going to see me. Mais vous allez me voir. But you will see me. Pourquoi le monde ne va plus voir Jésus? Why the world won't see Jesus? Parce qu'ils sont restés dans une forme de Jésus. Because they left in the form of Jesus. Amen. Ils ont resté dans cette forme là. They just left in that form. Si Jésus vient, if Jesus comes, il doit être en robe blanche. He will be wearing a white robe. C'est pourquoi tous les papes. That's why the pope. Et les catholiques. And les priests catholiques. Les archevêques. Archevêques. Ils sont en robe. They are parce qu'ils ont appris que Jésus était parti en robe. Oh, because the Jésus aujourd'hui il a toujours cette robe là. He still have that robe. On est toujours en robe. He must be in the dress. Les musulmans en robe. Muslim wearing dress. Parce qu'il a changé de forme. He changed the form. Dieu est spirituel. God is spiritual. Je peux vous dire aujourd'hui. I can tell you today. Jésus a porté veste noire. Jesus. Chemise carotte. Il se tient là avec le micro. Jésus est là en crème. Amen. Pour la pièce. Amen. Bien sentir. Souviens quand même à ma colo. Amen. Bien raille. Jésus aujourd'hui. Est en bagne. Amen. Jésus aujourd'hui en chip. He's wearing a skin. Oui. Yes. Christ est en moi. Christ in me. L'espérance de la gloire. The hope of glory. Quand je marche, when I'm walking, ce n'est plus moi qui marche, it's not me walking, mais c'est Christ qui marche à moi. It's Christ walking. Quand je parle, when I speak, ce n'est plus moi qui parle, it's not me speaking, mais c'est Christ, it's Christ qui parle à moi. Speaking through me. Je déclare au nom de Jésus, I declare the name of Jesus, par la puissance de la résurrection, by the power of the resurrection, par cette séparation que je viens de faire, because of the resurrection, tout ce qui était mort dans ta vie, everything which was in your life, can we clap from the comprendre. The world will end up understanding. Jésus. Jesus. Et dans son épouse. He is right. Amen. Jésus a dit, si les grandes de blé ne tombent et ne meurent. Jesus Christ said, if the grapes did not fall and die, elle reste seule. She will be alone. Mais si elle tombe, but if she falls, that elle meurt. And die. Elle produira d'autres graines. Oh, she will produce other seeds. Laissez-moi prophétiser. Let me prophesy. Je vais vous dire une vérité, quelque chose de vrai. I want to tell you the truth. Vous allez expérimenter dans les 5 ans qui sont en train de venir. That you're going to experience in 5 days coming. De part de Papa Baruti Kasongo. I want to talk to you about Papa Baruti Kasongo. Le départ de Papa Baruti Kasongo. The depart of our father Baruti Kasongo. C'est un grain qui vient de tomber à terre. Is a great seed which fall down. Et dans les années qui viennent. And in the years coming. Dans les mois qui viennent.
In the months coming, vous allez voir les barouti partout. Amen. You will see plenty of barouti all over. Vous allez voir des prédicateurs qui vont manifester le Dieu de la guérison divine comme on n'a jamais vu dans l'histoire. Amen. You will see many preachers vindicate the same power. Le diable maintenant, Because the devil can stand and claim and say now the person always make the stage of martyr full. He passed away. Let's see now who's gonna make the stage. Maintenant, ce n'est pas seulement martyr qui sera plein. Même le stade de Johannesburg, even the stade même of le stade de Cape Town, even the stade of stade aux États-Unis, of United States, le monde sera. The world is going to Je vous l'ai dit, enregistré. Vous allez voir ça partout dans le monde. You will see that un grand réveil va s'allumer. Ça a toujours été ainsi. Jésus a prêché seul lui-même en Galilée. Jesus preached himself alone in Galilee. Mais quand les apôtres ont pris l'évangile, but when apostles took après the gospel, son départ, after his departure, aujourd'hui on a combien de Jésus? Today how many Jesus we have? Aujourd'hui on a combien de Jésus? Today how many Jesus we have? Des millions de Jésus. Millions of Jesus. Qui maintenant Hérode va arrêter? Who he not gonna arrest? Parce que quand il était seul, c'est lui là. Arrêtez-le. Because when Jesus was alone, that is Jesus. Please can you arrest him? Maintenant aujourd'hui il y a beaucoup de Jésus. Now there are many Jesus. Si arrête le pasteur Antoine Philippe si tu es là. When you get arrested, Pastor Antoine Philippe, Philippe si tu es là. Les frères passent sont là-bas. Frères passent ils sont là-bas. Arrête les frères passent mon centre sont là-bas. When you arrest, si arrête ici l'autre sont là-bas. And another one is there. Si va arrêter comment? Who are you gonna arrest? How gonna arrest? Ceci ne mourra jamais. This sign ne peut pas s'arrêter. It won't stop. Christ est ressuscité. Christ is resurrected. J'ai besoin de citations. N'ayez pas peur. On donne des citations. Don't be afraid. I'm gonna give you confessions. Moi je suis de ceux-là qui croient que les chrétiens les frères Branham c'est pas les citations. Alléluia. One of those people who say who believe that the message of Branham are not quotations. Sans citations, sans prêcher les messages. Yeah, you can just give me a quotation without preaching the message. Oui, donne, vous donnez, vous donnez. Mais après, vous ne prêchez pas les messages. You can give, but after the whole, you don't preach the message. Les citations. Quotation. Ayez l'esprit qui était dans les citations, c'est ça la vie. Amen. To have the spirit, which is in quotations, that is life. La lettre tue. Scriptures kill. Mais c'est l'esprit qui? But the spirit quickens. C'est pourquoi les gens qui adorent Branham Dieu. That's why people worship Branham God. Beaucoup de citations. A plate of them. They have a lot of quotations. Ils disent même, mais on va faire un débat à la télévision. They can tell you, come on media, we're going to make debate. Avec des citations. With quotation. Ouais. Just contre-pieds. Ils disent, oh, nous sommes déjà dans les millénium, mais pas au Kamali. Ah. À la t-shirt, mais dans millénium. On fait Branham dit, au millénium, on n'aura pas l'hiver. Mais nous sommes déjà dans les millénium. Yé wana na malini. Can you claim those people? They claim that they are already in millennium, but they are still wearing jacket. What is cold? Yo, today it was very cold. I'm freezing. But Brother Branham says in millennium there is no winter. How come? If that does make sense. Y'a un frère qui était parti dire pasteur, nous sommes déjà dans les millénium. Dans les millénium. The pastor was there. Pastor, we are already in millennium. We are already in millennium. The pastor didn't say nothing. When he monte dans ma voiture, tu vas m'accompagner quelque part. Okay, come into my car. You're going to escort me somewhere. Les frères montaient. Ils sont partis où? Ils sont entrés dans les zoos. They went and then they went to the zoo. Ils arrivent là où il y avait les lions. They saw the lion. They reached where there was a lion. Le pasteur lui dit, frère, est-ce que tu peux entrer dans ces cages-là comme tu es déjà dans les millénaires? Parce que dans les millénaires, on va manger avec, on va marcher avec les lions, on sera ensemble avec les lions. Les lions est là. Oh non, pasteur, ce n'est pas les millénaires. Oh non, c'est la révélation. That guy was believing that is in the millennium already. Now that pastor, les lions entrent dans les cages. That pastor said, okay, as you believe that you are in the millennium, c'est come into my car. Nous devons avoir l'esprit de la parole. You must have the spirit of the word. Si nous restons seulement avec la lettre. Can you please? Okay, sorry. There's a guy who was claiming, I'm in the millennium, pastor. Okay, pastor said, okay, all right. As you believe that you are in the millennium, come into my car. They started the car. They went to the zoo. Okay. They went where there was a lion in the car there. The pastor spoke to that brother. My brother, you believe that you are in the millennium? He said, yes, man of God. Okay. That is a lion. As Brother Branham said, in millennium, we will be playing with lions, eating fine much gold. I don't know. Please, I can't go there. I'm not in the millennium. I don't know. I'm applauding so for them. Let us clap our hands.
You said that right, Melanie. Just go there and enjoy flying. Hey, no, 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 Pastor, please, sorry. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Scripture kills, but the spirit quickens. Les disciples avaient reçu l'enseignement avec Jésus pendant 3 ans et demi. The disciples received the teaching 3 years and a half. Ça veut dire qu'ils étaient diplômés. Ils avaient déjà le diplôme de master en théologie avec Jésus. I can say they had already the degree in theology with Jesus Christ. Master de la connaissance, parce qu'après 3 ans, on a son master. They had already master of the knowledge, which means after 3 years, we have already Jésus les a enseignés pendant 3 ans. Jesus taught them after 3 years. Donc pour expliquer le Messie, ils savaient les faire. To explain the Messiah, they knew how to do it. Mais Jésus les a dit, hey! Attention. But Jesus spoke to them. Hey, watch out. Don't go preach. Avec tout ce que vous avez vu chez moi là, n'allez pas prêcher. With everything that you saw to me, please don't go and preach. Avec tout ce que vous avez entendu parler de moi, n'allez pas prêcher. With everything that you heard people speaking about me, don't go and preach. Moi j'ai suivi les 7 béatitudes. Je connais tous les paraboles de Jésus. I know the parables. N'allez pas prêcher. Don't go and preach. Amen. Attendez à Jérusalem. Wait in Jerusalem. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vienne sur vous. Until the Spirit of God come upon you. On ne commence pas une église parce qu'on a des citations et des citations. No, no, you can't start the church because you have plenty of quotations. No. Mais dommage, aujourd'hui dans les messages, beaucoup d'églises commencent comme ça. Today, in Methodist Church, many churches started like that. Je ne suis pas d'accord avec ce que lui dit là. Je vois. I don't agree. Aussi. On voit qu'il sait, but I understand also. I see. C'est pourquoi aujourd'hui on n'a plus la puissance. That's why today we are powerless. On ne gagne plus les âmes. We don't even. Parce que nous commençons toujours les choses. Nous commençons toujours l'église avec les gens qui ont été déjà prêchés, réprêchés. Amen. Today we don't simply win souls because we're starting the church with people who has been preached, preached. Mais si nous attendons la puissance d'en haut. But if we are waiting for the power from above. La Bible dit les jours de la Pentecôte. The Bible said the day of Pentecôte. Un vent impétueux est entré. Amen. Un vent impétueux est entré. Oh, a wind came in. Et les gens commencent à courir. And people started really coming themselves. Qu'est-ce qui se passe What là-bas? Is happening here? Qu'est-ce qui se passe What là-bas? Is happening? Les gens en train de rouler par terre. People started rolling Les themselves. Gens parlaient en langue, ils donnaient l'interprétation. People were talking in tongues. Les gens étaient sous l'atmosphère de l'esprit. People were under atmosphere of the spirit of God. Et les gens se sont posé des questions. And people asked themselves questions. Que ferions-nous pour être sauvés? What can we do to be saved? Parce qu'ils avaient vu Dieu. Because they saw God. Il est ressuscité. Who was risen? Mettons nos divergences de côté. Let us put our divisions aside. Mettons les divisions de côté. Let us put misunderstanding and divisions aside. Cherchons Dieu dans la puissance de sa résurrection. Let us look for Jesus in his power. Le monde va bouger. The world will shake. Amen. Amen. Branham dit dans la brochure. Branham says in the brochure. Et leurs yeux s'ouvrirent. Amen. Their eyes opened. Et ils les reconnurent. And they recognized him. Prêché le 21 quatrième mois 1957. 21 April 1957. Paragraph 70. Quotation 70. Il dit et en vertu de l'autorité de la parole de Dieu. He says with the authority of the word. Et selon ce que je ressens dans mon âme. According to what I feel in my heart, je déclare. I declare. Vous savez pas, quand moi je prêche, je déclare, les gens m'ont suivi. Ces frères-là, vous avez dit, c'est dénominationnel. Il est toujours, je déclare. Maintenant, ici, frère, voilà, mais tantôt, c'est déclaré. Amen. You know, sometimes when I preach and I declare, they always say, that guy is denominational. Mais when I declare, je déclare. I declare. Que ce même esprit, the same spirit, le Saint-Esprit est juste ici en ce moment. Amen. The same spirit is only here on the spot. Au milieu de ce peuple. Amen. Among these people. Et voilà, maintenant. Now, je déclare, I declare, qu'il est ressuscité des morts. He is resurrected from the dead. Il me dit, je déclare, I declare, qu'il est vivant parmi nous. He is alive among us. Je déclare, I declare, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. He is the same yesterday, today, forever. Il dit le même en principe. He said the same in principle. Le même en puissance. The same in powers. Le même en toutes choses. The same in everything. Sauf pour son corps physique. Except
his physical body. Amen. Amen. Oh, body. Il est le même dans sa puissance, in his power, dans ses principes, in his dans tout ce qu'il est, in his everything, sauf except dans son corps physique, in his physical body, rêve de sa résurrection. The evidence of his resurrection. On cherche pas à les voir un homme blanc. Avec une échevée, pour voir j'ai vu Jésus. We don't want to see. On a besoin de voir ses œuvres. We don't have to see a big guy coming with white person to say I saw Jesus. No, we have to see his works. Les œuvres de Jésus. The works of Jesus. Vraiment dit quelque part. But I want to say somewhere. Si je me tenais ici, if I can stand here, que je vous disais, and I tell que l'esprit de Elvis Presley est sur moi. Oh, the spirit of Elvis Presley is in me. Qu'est-ce que vous êtes en train de me voir faire? What are you expecting me to do? Chanter comme Elvis Presley. You want me to sing like him? Alléluia. Si je vous dis, if I'm telling you, que l'esprit de Jackie Chan, the spirit of Jackie Chan, est en moi, is in me, je dois faire les cacatos. Oh, you want me to play karate? Alléluia. Amen. Parce que c'est ce que Jackie fait. Because it's what Jackie does. Mais si je vous disais, if I'm telling you, que l'esprit de Jésus est avec moi, of Jesus is in me, qu'est-ce que vous attendez de me voir faire? What are you expecting to see me do? Les œuvres de Jésus. Les œuvres de Jésus. Alléluia. Les œuvres de Jésus. The works of Jesus. Et quels sont les œuvres de Jésus? And what are the works of Jesus? Oui, il prêchait la parole. He was preaching. Il menait une bonne vie. He was living. Mais il était chez Pierre. But when he was to et Peter, que la belle-mère de Pierre était malade à faire de la fièvre. And the man and il lui a posé la main. Et elle était guérie. Oh, quand il était dans le tombe de Lazare. When he was to the il a dit Lazare, sors. C'est ça les œuvres de Jésus. Et il a dit, and he said, les œuvres que je fais, the works I do, vous les ferez aussi. You will do it as well. Et vous les ferez de plus grand. You will do it more. Parce que je m'en vais au Père. Because I'm the Father. Il ajoute, and je suis le sept. I am the sept. I'm the sept. Vous êtes les sarments. Oh, you are the sarments. Qui doit porter les fruits? Who is going to bear the fruit? Les sarments. Il est le serment qui doit porter les fruits. Yes, aujourd'hui, ce n'est pas Jésus qui va venir dans la lumière pour tout guérir. Non. Today is not Jesus. It's going c'est to nous qui devons manifester la puissance. Il reste à manifester la puissance. Et on dit tout arbre qui ne porte pas les fruits, and every tree sera which is coupé. Will be cut down. Sera coupé. Will be cut down. À l'église aujourd'hui, in the church today, ce qui me fait mal, je pleurais pour ça. What is hurting me today? Nous avons changé les choses. We have changed things. Aujourd'hui dans l'église, on coupe toutes les arbres qui portent les fruits. Today in the church, we cut all trees. Si tu commences à prophétiser, if you start prophesying, tu n'es plus du message. You're not for message. On doit t'enlever. They are going to si take tu commences à guérir les malades faire des campagnes, healing sickness people, lui seulement les choses de Pentecôte c'est là. Oh, him only Pentecôte. On doit les chasser. Are we going to take him out? Si tu commences à faire des grandes campagnes, prêcher tout le monde. Doing big campagne, preaching lui, everyone. Lui, est-ce que lui il ne prêche pas les mystères? Why he does not preach the ministry? Selon la définition de Jésus, according to the definition of Jesus, les arbres qui portent les fruits doivent rester, et ceux qui ne portent pas les fruits doivent être coupés. Amen. Mais l'Église coupe ceux qui portent les fruits. According to the ministry of Jesus, amen, the trees which are not bearing the fruit will be cut and cast out. L'Église but not what you see today. Un homme comme Antoine, alléluia, qui prêche, qui gagne les âmes, amen, qui gagne les gens au Seigneur, alléluia, c'est lui qu'on doit couper. Alléluia. A man like Anthony, amen, preaching, amen, performing wonders, winning souls is the one they have to cut. Parce qu'il gagne le fruit. Because il produit he's winning fruit. Fruit, he's bearing fruit. On doit le couper. We have to cut him. Mais c'est lui qui divise les gens. But the one is dividing the church, people. Il ne peut pas porter les fruits. He cannot bear fruit. Il prend seulement les fruits des autres là. He's just taking fruit for other people. Il divise l'église des gens. He's just dividing. C'est lui là qu'on acclame. He's the one they're clapping. Notre cher révérend pasteur. Oh, révérend pasteur, nom de Dieu. Tokakule. Man of God, Tokakule, vite en Bible. Move there. Portez les fruits. Bear the fruit. Vraiment, me l'a dit. Si Christ est le même dans toutes choses, mais sauf dans son corps physique. Christ is the same in parce que everything. Son corps est assis à la gloire. Except his physical body, because his body stands in glory.
Mais but le Saint-Esprit est ici. The Holy Spirit is here. Œuvrant. Working. Agissant. Amen. Working. Accomplissant. Fulfilling. Faisant très exactement les œuvres que Jésus faisait. Doing the same work that Jesus did. Amen. Voilà ma vie. Car c'est ça la preuve de la résurrection. Brother Branham says, therefore, the evidence of the Holy Spirit. Adonnez-vous amen de ses frères. Glory to God. La preuve de la résurrection. The proof of resurrection. Que Jésus est ressuscité. Jesus is risen. C'est si vous voyez. Is when you see. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Faire la même chose. Doing the same thing. Que Jésus faisait. That Jesus ça veut dire qu'il est ressuscité. Yes. 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 Il est ressuscité. Yes. Yes. Exactly. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, on a paralysé le corps de Jésus. Today, they paralyzed the body of Jesus. Il y a notre partie qui ne fonctionne plus. Oh, other parts of his body are not working anymore. Si une partie ne fonctionne pas, c'est que tu es paralysé, non? If one of your parts is not working anymore, which means si you have a stroke, you are paralyzed. Plus, tu es paralysé. Let's say your leg is not working. Ne fonctionne plus, tu es paralysé. You've got a stroke. Aujourd'hui, combien des églises sont paralysées? How many churches are paralyzed or si got vous stroke? Avez seulement la parole. If you're only the way, il faut réviser la puissance. But si if you need the power, paralysé. Is the paralyzed church. Et si vous avez la puissance seulement, if you're only the power, les églises qui entrent comme ça, depuis qu'on prophétise. There are churches as we came in here. Just prophecy. Eight until seven. On chante pendant 3 heures de temps. 3 hours. 3 heures de chansons. 3 hours of songs. Tout le monde prophétise. Everyone is prophesying. À l'heure de la parole, on te dit, Dieu a dit 15 minutes de la parole. Ça, c'est satanique. What? C'est du diable. Amen. Ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. But when it comes to the word of God, they have been singing for more than 3 hours. Les dons ne peuvent pas dominer la parole. Amen. This cannot overcome the word. Amen. Comment vous pouvez chanter plus que la parole? How can you sing more than the word? Prophétiser plus que la parole? How can you prophesy more than the word? Paralysée. Yes. This is a church paralyzed. Amen. Vous devez avoir l'équilibre. You must have the balance. Quand c'est l'heure de la parole, on prêche la parole. Time to the word, you preach the word. Quand c'est l'heure de manifester Jésus, les gens voient la puissance de Jésus. If it comes time to vindicate Jesus, people see Jesus. C'est ce que moi j'appelle Medina. This is what I call Medina. Mécanique et dynamique. And dynamic. Ensemble. Together. Pour permettre à l'aigle de voler. C'est ça. To balance so that to allow the eagle. La puissance de la résurrection te touche au nom de Jésus. Amen. Dieu utilisant son don. God using his gift. Prêché en 1956. Preach 1956. Paragraphe 50. Quotation 50. Le prophète dit. Brother Branham says. Et si il est malade. If he is sick. Et qu'il a besoin d'assistance. And he needs assistance. Puis-je l'aider? Can I help him? Non. No. Jésus pourrait-il l'aider s'il était ici? Non. Jesus could help him pas plus no. Que lui parler. Not more than speaking to him. Et si Jésus est ressuscité d'entre les morts? And if Jesus is resurrected, et que moi je peux m'abandonner à lui? And I can surrender myself to him. Au Saint-Esprit. To the Holy Spirit. Que ferait le Saint-Esprit si il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? What will do the Holy Spirit if he's the same yesterday, today, and forever? La même chose qu'il avait faite à la femme au puits. Brother Branham says the same thing that he did to the woman, to the world. Il lui dirait ses problèmes. He will tell him his problem. Il lui dirait à l'homme ses problèmes. He will tell the man his problem. Et c'est pourquoi il est venu ici. That's why he came here. Et c'est vrai. That's true. Alors cela établira que Jésus est ressuscité. Therefore, that we establish that il vit dans son église. He was in his church. Et c'est vrai. Is it true? L'assemblée dit amen. The assembly says amen. C'est la preuve. Is the proof. Irréfutable de sa résurrection. Is the proof that you can escape for his resurrection. La preuve irréfutable de la résurrection de Jésus, c'est quand nous voyons ses œuvres dans l'église. The proof of the resurrection of Jesus Christ. C'est that you can escape les explications après, tu vois. Non, même comme Jésus a dit qu'il a quand Jésus a fait les prêcher comme ça, ce n'est pas la preuve. Amen. It's not only explanation. We saw him in such city. Listen, no. Ce n'est pas la preuve. La preuve, on doit voir. The proof we have to see. C'est réellement, il est là. Really, he's there. Je comprends pas. On est où aujourd'hui avec la religion? I don't know. I don't understand. Where are we today with the religion? Vraiment, tout ce qui
est spirituellement levé dans l'église. Brother Branham says, what is spiritual? Everything spiritual. Si the tu fais d'avoir des déclarations de foi comme si il n'a pas encore bien compris. Hein. Lui, c'est un jeune qui commence là. Courage, courage. Donc, ça veut dire, si tu comprends bien, tu deviens formaliste. Yes. So if you are more spiritual in the church, they will tell you, they can blame you, give you a lot of names. This guy is still younger in the word of God. Les prédicateurs like matures. The mature preachers. C'est celui qui prêche sans transpirer. Is the one who can preach without sweating. Sans puissance. Without power. Ah, c'est un mature, il a la maîtrise de la parole. Hein. He has the master of the word. Il est mature, il ne s'abrite pas. Il est vraiment très mature. He's mature, he's very quiet. Even his way of talking. Mais c'est lui qui prie pour les malades. But the one is praying for sick people. Non, lui il est chaud. Non, des hommes des émotions. They're gonna name them. These are men of emotion. Mon frère Branham m'a dit 88% du ministère de Jésus était basé sur la guérison divine. Amen. Brother Branham says 80% of the ministry of Jesus Christ was based on healing. Aujourd'hui, divine healing. On vient à l'église pour écouter la parole. We come into the church to listen to the word of God. C'est bien. It is good. Quand on a fièvre, on a un peu de maux de tête. Pasteur, prie pour moi. When we have fever or headache, pastor, please pray for me. Ça c'est le niveau du pasteur. That is the level of the pastor. Ça c'est le niveau de l'église. That is the level of the church. Mais quand à l'hôpital on te dit que tu as cancer. Now when you go to the hospital, they tell you have cancer. Quand à la maison on vient, on vous vole tout ce que vous aviez. In your room or in your house, they can they steal everything out. Là, ce n'est pas le niveau du pasteur maintenant. Now that level is not for pastor level. Ça, il faut chercher la police. Now you can say, okay, lawyer, they are in this country, lawyer. Ça, I want my lawyer. Il faut chercher les féticheurs. Now it comes the time to consult Sangoma in Rosenville. Qu'il me montre. Qui a pris mes histoires? Oh, I want a Sangoma who can tell me. Nous avons diminué la puissance de Dieu dans l'église. We have limited the power of God in the church. Et l'église est là seulement pour des petites choses. Which means the church is there only for the small things. No. Quand j'ai une petite maladie, pasteur peut prier. When I have headache, le temps qu'il fait mal. Mais quand ça devient grave, tu peux avoir le Sangoma. When it comes worse, very quick in you, tu peux chercher la police. You go to see police at GP police station. Je vous dis, l'église est la puissance de Dieu qui peut résoudre tout problème. I'm telling you, the church has the power of Jesus Christ. Tout problème, Dieu peut le résoudre. Tout, Dieu peut le résoudre. It's an empty problem that you face. God can solve it. C'est la vérité. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. There is nothing impossible to God. Il n'y a pas de choses que l'église peut traiter et d'autres choses que l'église ne peut pas traiter. L'église a la puissance de Dieu. Amen. There are not things that the church can sort out and the things that the church cannot sort out. The church has the power of God. Le Dieu de Samuel. God of Samuel. Qui peut montrer à Saul là où il avait ses ânes. Oh, who can show to Saul where the sheep was? Il est capable de te révéler qui a pris ton histoire. He is able to reveal you who took your thing. Amen. C'est Dieu là existe. That's what exists. Amen. La religion vient enlever ces dieux là. La religion. The religion. Vient enlever ces dieux là. Want to move that God away. Viens de nous. Mais tu as dit non. Jésus Christ est le même. Jesus Christ is the same. Aujourd'hui, éternellement. Amen. Le monde peut changer. The world can change. Les constitutions peuvent changer. Laws can change. Les gouvernements peuvent changer. The government can change. Mais Jésus reste le même. Jesus is the same. Dans sa puissance. In his power. Oui. Yes. Le Dieu qui a fait disparaître Philippe. The God who made disappear Philip. Il fait apparaître notre roi. To make him appear somewhere else. Il est réel jusqu'aujourd'hui. Il est le same God as today. Amen. Il est réel. He's real. Dieu n'est pas un grand-père fatigué au ciel. Oh, God is not a grandfather. Grandfather tired in heaven, no. Il y a d'autres choses, ça n'est pas la prière. Enfin, il faut bosser. Moi, je suis de ceux-là qui croient que la prière résout à tout. Amen. I'm not like that type of people. You know, this is job and grave for my brother. No, I'm one of the people who believe that the prayer can change everything. Vrai, Branham a dit. C'est ta
sage incrédule ne les parlez pas, ne les répétez pas. That unbelieving prophet, don't say it, don't pronounce it. Amen. Ne parlez pas ça. Don't say it. Il dit, c'était l'adage, je le dis, oh, mais le premier pas c'est l'homme. It was a proverb which says the first step is a man. Aide-toi. Help yourself. Le ciel t'aidera. The heaven will help you. Madame dit c'est un adage incrédule. Brother Abraham said that is an unbelieving proverb. Oh non, aide-toi. Help yourself. Le ciel t'aidera. The heaven will help you. Non, nous sommes les brebis du Seigneur. We are the sheep of Lord. Les brebis. Yes, we are the sheep of the Lord. Et la brebis n'a pas à s'inquiéter pour comment manger, comment boire. C'est le travail du berger. Amen. And the sheep, they don't have to worry how you can eat, how you can parent, how you can buy clothes. Is the work of shepherd. Et frère Barameli, Dieu n'a pas créé l'homme. God did not create man. Pour qu'il puisse débrouiller. So that he can suffer. Il a créé l'homme. But he created him. Pour qu'il dépende totalement de lui. So that he can depend totally on him. La prière, Dieu peut résoudre toutes choses. The prayer of God can resolve everything. Je suis à Kinshasa. I'm in Kinshasa. Un frère vient et me dit, frère Philippe, et brother came and told me, brother, je suis fatigué de marcher à pied. I'm tired of walking. De venir à prière avec le moto, fatigue. To come with bike, to prie pour moi que Dieu puisse me donner la voiture. Pray your God so that I can have a car. Oui, tu es capable. God is ever. C'est lui qui appelle à l'existence et qui n'a jamais existé. Alléluia. He's the one who's calling and existing. Il a multiplié les pains. He multiplied the bread et les poissons and fish. Il peut créer l'argent maintenant. He can create money now. Oui, frère. Yes, brother. Et j'ai prié pour ses frères. I prayed for that brother. 2 semaines après. 2 weeks ago. On lui donne une voiture neuve, Jeep arrière. They gave him a brand new Jeep, new car. On lui donne arrière. They gave him a brand new car. Il vient après 2 semaines, dit, frère Philippe. He comes after 2 weeks, brother. C'est un miracle. This is a miracle. On m'a donné une voiture. They gave me a car. Il était un avocat. He was a lawyer. Il est parti, on lui a donné marcher. La personne dit, bon, avant qu'on commence de marcher, toi tu viens comment tu te déplaces? Dis-moi, je me déplace à pied. Dis non, 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 tu vas commencer à me mettre en retard. Je te donne la voiture ici. Amen. He's a lawyer. They gave him a business by his client. He said, ah. Yes, you are a lawyer. How do you move yourself? You say, I don't have a car. I'm walking like this. I'm going to grant you a car for you not to be late. Hallelujah. Après 3 mois. After 3 months. Les criminels, il rencontre les criminels. He met criminals. Thought they are all over. Even on in lui braque en route. En cours de route. They pointed him a gun. On lui arrache la voiture. They took the car. On prend la voiture, on part avec la voiture. They thought he took his car and went. Vous voyez comment le diable agit? You see how the devil works. Il y a ce qu'on appelle les tueurs de témoignages. This is what we call the killers of testimonies. La Bible dit quand Jésus a ressuscité Lazare, les pharisiens cherchaient à tuer Lazare pour tuer les témoignages. Le diable aime tuer. Alléluia. Les témoignages. The Bible says when Jesus Christ rose up Lazarus, the Pharisians wanted to kill Lazarus. Which means they want to kill the living testimony. Vous allez vous rappeler de la femme là qui n'avait pas d'enfant. Il a reçu le prophète Élisée. Et il a reçu l'enfant. Et cet enfant là est mort. You see that woman who was not having a child. She received prophet Elisha. And then she got children. And that child passed away. Parce que le diable n'aime pas voir les témoignages. Because the devil do not want to see testimony. Si Dieu te donne quelque chose, tu dois le garder dans la prière. Amen. If God gives you something, you have to keep it in prayer. Parce que l'ennemi est en train de tourner la poussée à réagir. Because the devil is busy rolling just to take it out. Mais ma main sur la Bible aujourd'hui. My hand on the Bible today. Par la puissance que Dieu a donné à cet homme pour vous prêcher. In the power that God gives this man to preach you. Je déclare. I declare que tu vas rien perdre. Le diable ne va rien t'arracher. The devil not going to take anything from you. Que l'ennemi voulait t'arracher. Everything that the devil wants to take from you. In the name of Jesus. La personne nous appelle. On est en prière avec le frère Enoch. We were in prayer with brother Enoch. Il nous appelle. Papa, he called us, Papa. La voiture miracle. Oh, wonderful car, miracle car. La voiture de témoignage. Oh, the car of testimony. On vient de me l'arracher par des criminels. Oh, that car of testimony. They just took it by the body. Papa. Papa. Je voulais prier. I wanted to pray. L'esprit dit ne prie pas. The spirit told me don't pray. On était avec le prophète Enoch. I was with prophet Enoch. Il me dit
Demain, il va retrouver sa voiture. He told me tomorrow he will find back his car. J'appelle le frère. I call the brother. Je lui dis, je m'appelle Philippe Sisiwote. Oh, I spoke to him. My name is Philippe Sisiwote. Je suis membre du conseil céleste là où les décisions se prennent. I'm a member of the council where the decisions are made. Là où les décisions se prennent aussi dans ces conseils là, je suis membre. In that council where the decisions are made, I'm one of the members. Maintenant où je suis en train de te parler, je suis là dans les conseils. Now when I'm talking to you now, I'm there in the council. J'ai dit demain. Tomorrow, avant 12h, before 12 o'clock, si tu ne retrouves pas ta voiture dans le lieu où tu travailles, je laisse te prêcher, tu m'écris faux prophète. C'est enregistré, c'est en direct ce que je chante. Alléluia, amen. If you don't find out your car where you're working, I claim to be a false prophet and I'm going to stop preaching a professor. Il dit amen. He said amen. Vous savez que les croyants aiment beaucoup flatter les pasteurs. Il peut dire amen, mais ne croient pas. You know, believers, they like to flatter pastors. They can say amen, but they don't believe in their heart. Il dit amen. He just said amen. Quand il coupe, il dit à sa femme. After cutting the call and then speaking to his wife. Il dit, le frère Philippe est vraiment spécialiste dans les encouragements. Hein? Il connaît vraiment encourager. Brother Philip is really specialist in encouragement. Il c'était vraiment motivateur. He is encouraging me. Il connaît vraiment motiver les gens. Hein? He knows how to motivate people. Il pensait que c'était un encouragement. Ok, j'étais au conseil de Dieu. For him, he knew that I was just putting his faith. But I was in the counsel of God. Sa femme ne dit pas au travail comme ton âge. Il arrive au travail. His wife spoke to him, go to work. Reaching un garçon là qui fait les cabines, il lui appelle. A boy with a cold box outside, they called him. Il dit, maître. He said, master lawyer. Je viens de voir une voiture là en bas. Parce que lui, là, lui il travaille dans un immeuble. Et en bas, il dit, nous venons de voir une voiture là. Ça ressemble exactement à ta voiture. Wow. Il y a des gens qui ont parqué. Directement, ils sont descendus en courant. Ils ont pris des motos. Ils ont abandonné la voiture là. Amen. There's a guy with his cold box. When he saw the lawyer, he said, lawyer. And the lawyer is working upstairs in the flat. The guy spoke to him, oh lawyer, we saw your car. I saw two guys who came. They had the car there and then they ran away. Le frère descend. Brother came down. Il trouve les contacts. He found the key of the car. La voiture neuve. The brand new car. Monteur, batterie, tout. On n'a rien pris. J'ai les décors au nom de Jésus. Tout ce que tu avais perdu. Par la puissance de Jésus. Amen. Si c'était le travail que tu avais perdu. If it was the job that you lost. La stabilité tu l'as perdu. Stability that you lost. La vie de prière tu l'as perdu. Life that you lost. Ta bénédiction tu l'as perdu. Your blessing you lost. Ton travail tu l'as perdu. Your job you lost. Et l'éternel. Il nous a appelé. He called us. C'était à 10h. It was 10 o'clock. 10h. 10 o'clock. Avant 12h. Before 12 o'clock. Dieu ne ment pas. L'homme peut se tromper. Oh, American lie. Dieu a les derniers mots. But God has the last word. Les docteurs peuvent dire. The doctors can say. Ton cas là, on voit que c'est impossible. C'est Dieu qui a le dernier mot. That faith of yours is impossible. C'est que les policiers ne peuvent pas retrouver. Dieu peut les retrouver. What the policeman cannot find. C'est que le gouvernement ne peut pas trancher. Dieu peut les trancher. What the government cannot sort out, God can sort it out. Il est capable. He is able. C'est que la famille ne peut pas donner. Dieu peut les donner. What the family cannot give you, God is able to give it to you. Il est le maître de l'impossible. Oh, he is the master of the impossible thing. Il est Dieu. He is God. Il est le tout en tout. He is the one in all. Regardez
Il m'appelle pour donner le témoignage. Voilà, il va dire, il faut me tuer avant de faire ce bonus. Je veux me réjouir. Alléluia. Je voulais me réjouir. Avant que tu rejoignes ma femme. Dieu me dit arrête. I said stop. Fâche-toi. Get angry. Un témoignage, Dieu me dit fâche-toi. Get angry. Que soit la colère sainte. Get angry so that can have holy angry. Il m'appelle, il me dit ça, j'ai vu frère. Tu m'as appelé hier, tu m'as dérangé à minuit. He called me and said, brother, you called me. Voler la voiture arrière. You disturbed me in midnight as they stole your car. Et je me suis fâché. And I got angry. J'étais puni avec trois chips avant la fin de cette année. Alléluia. I'm going to punish you with three chips. Je me suis j'étais puni. I'm going to punish you. Trois chips avant la fin de cette année. With three chips before the end of this year. Les mois prochains. Three cars. C'était l'âge. Range Rover. Le mois prochain, FJ, FJ. Après le mois prochain, c'est le Mercedes, Mercedes ML. Et puis, frère, bouge, vous avez le Dieu. Are you ready to go? Tu es incapable. And they wanted to steal the first car. Now you become ready. We will see which one they will have. Avant de venir ici, il a dit papa, si vous partez en Afrique d'ici, je prends la charge des billets aller-retour. Wow. Tu vois? Now he spoke to us, oh Delhi, as you're going to South Africa, I'm gonna pay the ticket for go and come back. Parce que Dieu God est capable. He is able. Amen. La résurrection est capable. The resurrection que Dieu te donne le double de ce que tu avais perdu. The double of what you lost. This is how God works. Quand Job a perdu, on n'y a pas restauré seulement ce qu'il a perdu. Le double au-delà. Amen. When Job lost his stuff, they not give him only one. No. Que Dieu double ce que tu avais perdu. Pasteur Antoine, je prophétise dans cette église. Pasteur Antoine, je prophétise dans cette église. Que Dieu my God te donnera plus que tout ce que tu as perdu. My God can give you everything that you lost. Parce que Dieu a vu tes sacrifices. Because God saw your sacrifice. Dieu a vu combien tu t'es sacrifié pour son œuvre. God saw how you sacrificed for his work. Et Dieu s'est décidé de t'honorer dans ces pays. And God decided to honor you in this country. Dieu va t'honorer dans ces pays. God is going to honor you in this country. Je vois une parcelle de l'église. I see vous allez construire dans ces pays. Les gens vont dire. Enregistrer. Ils vont commencer à te traiter de franc-maçon. People will treat you as a franc-maçon. Que tu es entré dans les sciences. You are in the science. Pour avoir beaucoup d'argent. To have a lot of money. Mais ça sera moi Dieu. Parce que tu en train de t'honorer. Oh, oh, parce que je suis comment tu m'as servi depuis ta jeunesse. Because I saw you how you have been. Je vais t'honorer. And I'm going to honor you. Que Dieu puisse honorer tout celui qui est resté fidèle à cet homme. Oh, oh, oh. Je vous donne une dernière citation. Give me the last quotation. Oh, gloire à Dieu, gloire. Oh, glory to God. Alléluia, alléluia. Glory to God. Alléluia. Glory to God. Je vous crois que Dieu est capable. Oui, quand il descend, l'impossible devient possible. Impossible comes possible. Oui, yes. Il fait les chemins là où il n'y a pas de chemin. Il faut aller trouver le way where there is no way. Je viens de prêcher en Belgique. I just come to preach in Belgium. Il y avait une femme qui avait fait 2 ans. There was a woman with 2 years. Je sais, vous avez vu ça, on avait vu ça dans l'échelle du message. Une femme blanche. And elle white, avait 2 ans et ne marchait pas. A white woman, not walking. She was disabled, 2 years. Elle ne marchait pas. She was not walking. J'étais là, j'étais le seul noir dans la salle. I was there. Alone, black, in the room. Il y avait que deux blancs. In the church. Et je prêchais. I was preaching when white people. C'était pas une église du message. It was not a message church. C'était l'église du Baptiste. It was Baptist church. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, mon frère, prêche nous. They called me, brother, can you please preach us? On me présentait, disait, nous avons notre frère africain. They were introducing me, saying, we have our brother African. Qui est venu prêcher. Who came to preach? In Europe. Dit, bon, in Europe, Belgium. Je suis frère africain, c'est pas un problème, je suis un africain. Oh, I didn't care about that. Amen. I said, I'm an African, yes. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Amen, glory to God. Mais Jésus-Christ est ressuscité. But Jesus Christ is resurrected. Et à moi. Alléluia. Et pendant que j'étais en train de prêcher. He was in me, Jesus Christ, when I was preaching. Je dois dire la sœur. I pointed the sister. Dieu m'a dit, tu es guéri. God spoke to me, you are healed. 2 ans. 2 years. Tout ce que
sont faits, on les transporte même pour aller aux toilettes, même pour se laver. They were just transporting her to go to the bathroom all over. Elle est toujours dans la chaise. She was having a stroke. Et le pasteur était en train de regarder. In wheelchair. Elle était la tante du pasteur. She was the auntie of the pastor. Elle se lève là. She stood up there. Elle commence à marcher. She started walking. Jusqu'à devant là où j'étais. Until where I was. C'est la vérité. L'église était en larmes. And all the church was crying. Frère. Brother. Nous pleurons notre papa Bahouti. Oui. We cry our father Bahouti. Mal. Yes. Mais le Dieu de Bahouti n'est pas mort. Amen. Amen. Il continuera à guérir. He will keep on his. Dieu est le maître de l'impossible. God is the master of the impossible. Il peut ouvrir le porte là où il n'y a pas de porte. He can open doors where no doors. Il y a un petit témoignage que je veux vous donner. There is a small testimony. Je vais prier pour vous. Je sens l'onction. That's what I want to give you. I'm going to pray for you now. I'm feeling anointed. The presence of the Holy Spirit is here. La gloire de Dieu est ici. The glory of God is here. Est-ce que vous croyez de tout votre cœur? Jésus Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Maman, tu crois de tout ton cœur? You believe with all your heart. Tu crois de tout ton cœur. Do you believe? Sister Emma. Elle est en anglais. L'anglais. Interprète bien. Do you believe with all your heart? Do you believe with all your heart? God is able. De te visiter maintenant. To visit you now. Que les douleurs que tu sentais dans le dos jusqu'aux pieds peuvent te quitter maintenant. That pain that you are feeling from your hip up to the feet, may it go out now. Est-ce que tu crois de tout ton cœur? Do you believe with all your heart? Et ces douleurs-là peuvent te quitter maintenant. That pain can go out parce now. Parce que je suis en train de voir. I'm seeing. Je suis en train de voir une personne en train de les faire porter des boots. I'm seeing the person putting you boots. Pour te faire paralyser. So that can have a stroke. Pour te rendre paralysé et que tu n'aies plus la force de bien marcher. To make you stroke so that can have the power to walk. Et Dieu a écouté ta prière. And God heard your prayer. Et Dieu a vu ta foi et tes sacrifices, ton dévouement dans les choses de Dieu. And God saw your sacrifice. And your announcement in the church, the woman. Et Dieu a enlevé cela. And God took it away. Toutes ces douleurs-là viennent d'être quittées. All that pain went out. Reçois ta guérison. Receive your healing. Je vois elle est en train d'élever la main. Receive your healing. Receive your healing. Receive your healing. Reçois ta guérison. Receive your healing. Est-ce que vous croyez tout votre cœur? Jésus-Christ est là. Jesus is there. Peu importe votre problème. Pas de problème. Peu importe votre problème, Dieu est capable de vous visiter. To visit you. Dieu est capable de restaurer. To restore. Il y a un problème de travail. You have a problem for the job. Il y a un problème de l'argent. You have a problem of money. Il n'y a rien dans la maison maintenant. Nothing in the house for now. Dieu est capable. Il est ressuscité. God is resurrected. Il peut pourvoir aux besoins. He can provide your needs. Tu pries pour tes enfants qui sont loin. Amen. Tu pries pour tes enfants qui sont noirs. You can pray for children of Tu pries pour quelqu'un qui est très noir. You can pray for someone who is Dieu est capable. God is able. Oui, Dieu est capable. Yes, God is able. Il écoute tes prières. He listens your prayer. Il est ici. He is here. Faites-lui confiance. Oh, trust him. Là où les hommes ne peuvent pas agir. Where people cannot do nothing. Dieu peut agir. God can do. Il y avait un jour. One day. Un militaire. A military soldier. Il croyait à Jésus. Was believing to Jesus. Il priait Dieu. He was praying God. Il croyait. He was believing. Mais l'armée ne croyait pas. But the army was not believing. On le considérait comme un poule mouillé. Oh, they took him as a sissy. Parce qu'il croyait. Because he was believing. Il était chrétien, il ne buvait pas. He was a Christian, he was not taking black label. Et dans cette armée, on voulait beaucoup l'humilier. In that army, they wanted to humiliate him. Parce qu'il était chrétien. Because he was a Christian. Et un jour, dans One la parade. Day, dans la parade. In the parade, the meeting, meeting, meet, morning meeting. For soldiers, le général vient et lui dit, Monsieur, the general came and said, Sir, prends ma voiture, take my car, tu vas te déplacer et le parquer là-bas. You will move it and park it there. Et toute l'armée savait que le monsieur ne connaissait pas conduire. And all the army knew that the guy did not know how to drive. On voulait seulement l'humilier. They wanted him only to humiliate. Parce qu'il était chrétien. Because he was a Christian. Il a dit. À vous ordre mon général, mais tu sais que je ne connais pas conduire. He said, salute, general. I don't know how to drive. Le général dit, tu t'opposes à l'ordre du général. The general said, you oppose yourself to the law of general. Ici dans l'armée, quand le général donne l'ordre, c'est directement à vos ordres, tu peux faire. Here in the army, when the general gives the order, you have just to say yes and do it. Il dit, à vos ordres. Le général dit, mais tu dis que tu es chrétien, non?
He said yes, but you claim to be a Christian. Jésus te montre conduire la voiture. May Jesus show you how to drive the car. Les soldats écoutaient ça. The soldier listened to that. Il dit, tu as défié mon Jésus? He said, are you challenging my Jesus? Mon Jésus? My Jesus. Il est capable. He is able. On peut pas le limiter. We can't limit him. Le militaire hors de la voiture. The military out of the car. Il touche le volant. In the car. But you can. Aide-moi, Seigneur. Show them que tu peux faire. You can do. Il prend le contact. He took the key. Il le met dans la voiture. He put it in the car. Il started the car. Il met la vitesse. He put gear what? Boom, accélérateur. Vous moving. Il déplace la voiture. And then il marche avec la voiture. Il move the car. Parque ça très bien comme le général avait dit. And he park it straight the same way the general wanted. On ne peut pas défier un chrétien. You can't challenge a Christian. Il descend dans la voiture. He came out of the car. Il trouve toute l'armée en larmes. He found all the army crying. Tout le monde est en train de pleurer et le général. All the army tears all over. Il était là étonné. He was there astonished. Il dit pourquoi vous pleurez général? He said why are you crying? J'ai fait ce que tu m'avais demandé. I've just done what you told me to do. Le général lui dit. The general spoke to him. Le miracle. The miracle. Ce n'est pas que tu as conduit. It's not because you drive the car. La voiture n'avait pas de moteur. But the car was not having the engine. La voiture n'avait pas de moteur. The car was not having the engine. Amen. Quand tu as allumé. How did you start? Comment cela s'est passé? How did it work? Oh Jesus. La voiture. The car. N'avait pas de moteur. Il part comme ça, ils ouvrent les capots. Oh, they just opened the boot. Il n'y avait pas de moteur. No engine inside. Tout l'armée savait. All the army knew. Que cette voiture-là n'a pas de moteur. That car is on breakdown. Mais comment cela s'est allumé? How the car started? Comment il a déplacé cela? How he moved the car? Dieu est capable. God is able. Amen. Dieu est capable. Amen. God is able. Là où les gens ne peuvent pas. Where people cannot do. Dieu est capable. God is able. Levez-vous. Stand up. Mettez-vous debout. Stand up. La gloire de Dieu est en train de s'élever. The glory of God is rising up. La puissance de Dieu est en train de s'élever. The power of God is rising up. Le frère Enoch connaît. Il y a un frère aux États-Unis. There's a brother in United States. Maintenant, Freddy Moussampa. Freddy Moussampa. Il vient à l'ambassade des États-Unis. He is coming from ambassade of United States. Visa. To ask for visa. Avec un autre nom. With another name. On lui refuse le visa. They refuse him to give him the visa. Quelque temps après. After some days. Il change tous les noms. He changed all the names. Il change les noms. He changed all the names. Il ne savait pas que les empreintes restaient dans l'ambassade. He did not know that the fingers stayed there. Il vient encore. Rendez-vous à l'ambassade des États-Unis. He comes again on next appointment. Avec une autre identité, notre passeport. Another identity with another passport. Il met les doigts. He put his fingers. Ça fait sortir l'identité précédente. You know in the system, they pull everything out for last time. Toi, tes identités. American says, tu es déjà venu ici. You came here before. Tu t'appelais Josué. Your name was Joshua. Maintenant tu viens encore, Freddy. Now you come again, Freddy. Ça c'est quoi ça? What is it, my brother? On dit toi tu es un escroc. They tell me you are a crook. On ne peut pas te donner de visa. We can't give you visa. On l'a chassé. They chased him away. On pouvait même l'arrêter. He was even about parce to be arrested. C'est une infraction grave. Because it's a fraud. J'étais à Lubumbashi, il m'appelle. I was in Lubumbashi, he called me. Frère Philippe, je ne sais pas ce qu'elle a foutu ma maille. Oh, Pastor Philippe, I don't know where the bewitch took me. J'avais changé mon nom, je voulais retourner avec mon nom d'origine. Oh, I changed my name. I wanted to come back with my original name. Ils m'ont repéré aux États-Unis, on m'a dit qu'on ne peut pas. J'étais fatigué, je venais de la prière. There in the United States, at ambassade, they said no, they can't help me. C'est impossible que j'entre aux États-Unis. Et puis c'est impossible, frère. Bateau, ben, mais impossible, frère. Now it was impossible for him. Je l'ai dit qui? Impossible chez nous n'existe pas. I said, there is no impossible for us. Dans notre dictionnaire, le mot impossible n'existe pas. Amen. I said, in our dictionary, impossible does not exist. Nous sommes les vrais ambassadeurs. As we are the true ambassadors. Hallelujah. Ce que nous lions sur la terre. What we link on the earth. C'est ce qui sera lié au ciel. What we divide on earth. Je dois refuser le visa.
I said I refuse to give you the vision. Je m'appelle Philippe Sissuote. My name is Philippe Sissuote. Ambassadeur du ciel. Ambassador of heaven. Je te donne le visa des États-Unis. I give you the visa. Je te donne le visa des États-Unis. I give you the visa. Et je lève cette Bible sur vous. And I raise up this Bible. Tout celui qui a besoin. Everything we need. Des enfants. Children. Je te donne des enfants. Amen. Celui qui a besoin du travail. Je te donne le travail. I give you the job. Tout celui qui a besoin du voyage. Je te donne ton voyage. Amen. Reçois selon le nom de Jésus. Amen. Receive it in the name of Jesus. Receive your visa. Hallelujah. Frère Philippe, je te crois. The brother said, Brother Philip, I believe you. J'ai dit amen. I said amen. Frère, comme tu as dit amen, cherche un autre rendez-vous. Rentre seulement là, dans le même endroit. Amen, brother. As you said amen, please. Find another appointment. Go to the same place. C'est compliqué. It's very complicated. Compliqué pour vous le monde. Complicated for you the world. Si la voiture sans moteur peut se démarrer. If the car without engine can start. Qui peut limiter la puissance? Who can limit the power of God? Le frère rentre. The brother went. Le même ambassade. The same ambassade. Il met le doigt. He put his fingers back. Ça ne montre pas. You don't show nothing. Out of focus. Le même blanc, il fait l'interview avec la même personne qui lui avait refusé que wow. Toi tu es venu avec une autre identité. Il n'y a pas quelques temps ici. The same people, white people, doing the interview with the same person that they rejected, blaming to be a fraudulent, but they did not see nothing bad. Il lui dit, ah, monsieur. Mais tu devais déjà avoir ton visa depuis longtemps. Ah, you should have your visa long time ago. Mais pourquoi ça traîne? Why it is taking time? Nous te donnons le visa. We give you the visa. Visa de 10 ans. Of 2 years. 3. Alléluia. Aujourd'hui, il est aux États-Unis. Today is in the United States. Il a nationalité américaine. Il t'a donné mes invitations. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu. La vie est toi qui a ressuscité les morts. Est-ce que vous le croyez de tout votre cœur? Tu vas au fond là-bas. Avec le chapeau, tu ne mourras pas. You won't die. Tu ne mourras pas. You won't die. Le diable est en train de te combattre pour te faire mourir avant tout ton temps. The devil is busy fighting with you to make you die before time. Dieu vient d'enlever cet esprit. God took that spirit. L'année passée, tu étais beaucoup combattu. Oh, last year you were. Je vois le corps en train de s'affaiblir. Tu sens des faiblesses dans le corps. I see your body. C'est l'ombre de la mort. Tu l'as bien quitté. Au nom de Jésus. Il ne change pas. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Parce qu'il y a une lumière sur ta tête. There's a light. Tu m'as dit que tu es une sa servante. You are a servant. Tu es sa servante. You are a servant. Et tu vois beaucoup de choses. And you see a lot of things. Je te montre beaucoup de choses. God will show a lot of things. Et c'est à cause de cela. It's because of that. Et Dieu prolonge encore tes jours. God is adding to this. Oui, prie aussi pour tes enfants. Pray also for children. Oui, Dieu est en train de mettre sa main parce que je vois un filet en train d'être déchiré. Parce que I can see the string, the cord. Que le Seigneur vous délivre au nom de Jésus. When God sets you free, on va chanter. We're going to sing. La gloire de Dieu est déjà là. The glory of God is there. The Saint Esprit est déjà là. La colonne de feu est en train de s'éteindre à la salle. The pure fire. Rien ne sera comme avant. C'est le temps de la délivrance. C'est le temps de changement. Never change. Le grand médecin est ici maintenant. Le compatissant. Je ne sais pas, on ne connaît pas ça ici. Si elle ne connaît pas chanter quelque chose que les petits connaissent, qui peut nous amener dans la méditation pour ne pas perdre l'atmosphère. Amener quelque chose qui ne peut pas nous faire sortir de l'atmosphère. La gloire de Dieu est en train de s'élever. L'esprit de la prophétie est ici. Amen. Oba tuwa zamane, parike meya, nemeya, nemeya, tawana yesu. Oba tuwa zamane, parike meya, nemeya, meya, tawana yesu. Okule megone, parike meya, nemeya, meya, tawana yesu. Nemeya, tawana yesu, nemeya. Oh,
une chanson qui m'a mené dans la spiritualité. Vous m'avez fait sortir. Dieu est en train de vous bénir, papa. He's blessing you, Father. Parce que vous êtes un pilier. Because you are the pillar. Qui soutient son œuvre. Who is supporting his work. Et le diable est jaloux de ça. And the devil is jealous of that. Un pilier qui soutient beaucoup de gens dans ta famille. A pillar who is helping a lot of people in your family. Et le diable est jaloux de ça. And the devil is jealous of that. Et il veut te faire tomber. He wants you to fall down. Pour que tu te réveilles un jour. So that you can wake up one day. Tu ne peux plus marcher. You can't even walk. Tu ne peux plus faire quelque chose. You can't do nothing. Mais Dieu a un livre de souvenirs pour toi. But God has a book of souvenirs for you. Il voit tout ce que tu as fait pour lui. He sees everything that you did for him. Il se souvient de cela. And he always remember about that. Et cela n'arrivera pas. And that will never happen. Et je suis en train de voir, on est en train d'écrire 3. And I see they're writing 3. Et le Saint-Esprit dit que ça fait 3 années. And the Holy Spirit is telling me, les choses sont en train de tourner même en droit dans ta vie. Things are going around in your life on the same place. Des problèmes de finances. Bloqué. Financial finance blocked. Et ça tourne, ça tourne. Ça ne tourne like pas comme il fallait. Is not going far like it's supposed to be. Tout semble être arrêté. Everything looks blocked. Mais Dieu me dit va te bénir. But God is telling me he's going to bless you. Et je suis en train de voir l'ange en train de faire 3 pas devant. And I can see the angel going 3 steps forward or before. Dans les 3 mois qui viennent. In next 3 months. Tu verras le porte en train de s'ouvrir une par une. Toutes les portes qui étaient fermées. You will see doors opening themselves one by one. Et tout celui qui est en train d'écouter ma voix. And each and every person who is listening to my voice. Dieu est en train de vous ouvrir des portes. God is opening doors. Je pensais que tu allais dire un amen. I thought you were going to say amen. Et je prie pour toi. And I pray for you now. Est-ce que tu peux pas nous donner une petite mélodie qui peut nous amener dans la présence de Dieu dans la petite de la prière? Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, éternel, mon rocher, guéris maintenant, Seigneur Jésus, au nom de Jésus, et que les plans de l'ennemi quittent, sors au nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, tout celui qui est malade, tout celui qui est malade, each and every person who is sick, tout celui qui est malade, each and every person who is sick, peut venir. You can come. Peu importe ta maladie. No matter your disease. Je vais seulement prier pour toi. I'm going to pray only for you. Et Dieu va te guérir. And God is going to heal you. Dieu va te délivrer. And God is going to set you free. Dieu va te délivrer. God is going to set you free. Avancez. Please come forward. Je vous dis que tu vas translate. I'm telling you that. Sister Emma, say I prayed for you here for the problem of stroke, right? You remember? Nous avons prié ici pour vous. Je n'étais pas avec lui. Maman Ariette. Ariette, oui. Yesterday I was with you. J'étais avec toi hier. Yeah. What you say now? You told me yesterday. Tu m'as dit hier quand j'étais chez toi. It means you have a gift. You have to believe it. Amen. Il a un don de votre foi. What he said, me, my sister Emma, she doesn't know French. She's a Sotho. Yes. And Mama, yesterday I told you, I believe is a genuine gift from God. Amen. Because what he said is the things yesterday me I did with sister Emma and Mama. Same last month, Mama yesterday. Okay, let us sing Le Surnaturel. Okay. Oh, Le Surnaturel, Surnaturel, Surprésent. Oh, 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 oh